Bonjour, nous sommes le dimanche 6 juin 2020 et ma petite vidéo de ce matin s'intitulera Le monde nous surprend, virgule, dans le bon sens. Alors ça, c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu faire voilà, depuis quelques mois. Et pourquoi? C'est parce que, bon, je vais parler de trois choses. Je vais parler du Covid-19, je vais parler des États-Unis et des mouvements dans le monde qui sont dans le sillage de ce qui s'est passé récemment et qui va encore se passer aujourd'hui aux États-Unis. Et ensuite, je vais vous parler de la France et en particulier de. Je vais revenir une fois de plus sur cet entretien que j'ai eu avec François Ruffin. C'était quoi, il y a 3 jours, quelque chose comme ça. Mais je vais commencer par le début. D'abord, le Covid-19, je viens de regarder les chiffres quand même avant de m'avancer, les chiffres au niveau mondial. Le nombre de cas continue de grimper, mais le nombre de morts continue à baisser. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre au niveau des soins comment ça marche. Cette maladie commence à être comprise. Chacun de ces virus, quand il fait le saut d'une espèce animale autre que nous vers nous, il faut comprendre ce que c'est, de la même manière qu'il faut comprendre quel genre de molécules pourront avoir une action ou non sur ce virus. Je vous rappelle ce que j'ai appris de Monsieur Gilboeuf l'autre jour, donc voilà, dans une petite vidéo. Les discussions, savoir si un virus est vivant ou non, bah, c'est une question de définition. C'est une question de définition. C'est la question suivante. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'un animal qui a pour se reproduire a besoin d'autre chose que lui-même? Est-ce qu'il faut dire du coup que ce n'est pas vivant? Non, puisqu'il y a son action sur le monde fait que il va agir en tant que parasite et donc il va trouver autre chose. Et donc finalement, savoir de dire si c'est vivant ou non n'a pas d'importance. Ça peut être ou pas dangereux pour nous et c'est ça, d'un autre point de vue, qui compte. On revient aux classifications de Rumfus par rapport à Linné. Juste un petit mot. Linné, vous savez, c'est le premier à faire une grande classification des plantes et des animaux en termes d'inclusion de catégories dans les autres. Et Rumfus, c'est quelqu'un qui, au XVIe siècle, j'ai bon souvenir, c'est un Néerlandais, il accompagne une expédition en Indonésie pour la Compagnie des Indes orientales, et il fait une grande classification de tout ce qu'il voit qu'il n'a jamais vu, animaux, plantes, et donc c'est un précurseur, si vous voulez, de Linné. Mais il ajoute, voilà, il classe les choses selon la ressemblance physique et bon, ça donnera lieu ensuite à une classification en fonction de ce qu'on a compris de la génétique. Mais il classe aussi les choses en choses utiles et nuisibles et des considérations de cet ordre-là. Il met pour certains types de voilà d'arbres pour être utiles pour la construire la charpente des navires des considérations de cet ordre-là. Et c'est un peu comme ça qu'il a fallu que nous réfléchissions à ce virus. On commence à comprendre, on commence même à se dire, à se poser la question de savoir s'il y a des gens qui ne sont pas immunisés du fait d'avoir rencontré d'autres coronavirus à d'autres époques, des choses de cet ordre-là. On commence à, voilà, commence à comprendre, en particulier, on essaie de mettre au point un vaccin. On a déjà maintenant pu tester un certain nombre de substances. Et je ne vais pas vous rappeler les controverses autour du fait de dire si machin, si la substance X ou Y fonctionne ou non. Il y a des disputes entre savants en ce moment même sur ces questions-là qui soulignent une chose dont on a parlé non, sur mon blog à propos du coronavirus, c'est qu'il y a très peu de gens, même parmi ceux qui devraient qui devraient connaître ça, qui comprennent ce que c'est des statistiques, qui comprennent comment est-ce qu'on fait une étude statistique, qui comprennent ce qui est valable et ce qui ne l'est pas, devraient comprendre qu'on ne modifie pas l'échantillon en cours de route, qu'on ne met pas simplement entre parenthèses les gens qui ne sont pas revenus la fois suivante, et ainsi de suite, ce qui a déconsidéré un certain nombre d'équipes. Bon, je ne vais pas mettre d'étiquette dessus, de ne pas comprendre les choses élémentaires sur ce qu'on essaye de prouver. Mais bon,
Les chiffres montrent un petit flottement ces jours-ci dans les pays qui ont déconfiné. Il n'est pas impossible que ça reparte, mais en tout cas, ce n'est pas reparti sur les chapeaux de roue. Donc, ce qui est déjà une chose et qui tout permet à vous et moi de souffler, de sortir dans la rue, de faire de revoir des gens. Voilà. Donc, plutôt bonne nouvelle de ce côté-là. Ce n'est pas tellement, je dirais, en nombre de cas qu'il faut l'évaluer, mais c'est en estimation, en évaluation de ce qu'on a l'air de comprendre maintenant par rapport à la manière dont ce truc fonctionne. Et plus ça va aller, plus on va comprendre ce qui attire l'attention sur la, comment dire, la méthode scientifique et surtout sur une certaine déperdition de la compréhension à l'intérieur même des disciplines. Sur comment ça marche. Là, une petite remarque quand même, c'est pas simplement, vous savez, j'ai une expérience qui n'est pas simplement dans le domaine de l'anthropologie ou de la psychanalyse, enfin des choses où j'aurais vraiment acquis un savoir et où je peux être considéré comme un expert, mais aussi les domaines où j'ai acquis une certaine expérience, comme par exemple les mathématiques appliquées, il y a une déperdition. Par rapport à l'époque où moi j'ai étudié ces trucs-là, les années 60, 70, et je ne vais pas faire le vieux, voilà, le vieux combattant qui dit c'était mieux avant, mais il y a, et ça on le voit dans la, je dirais, je le vois parce que j'ai des étudiants et des étudiantes, il y a une déperdition du savoir qui est manifeste, une prolétarisation au sens de Bernard Stiegler, un de mes invités récents. Les gens comprennent de moins en moins ce qu'ils font. Je ne dis pas pour ça, quand je dis ça, je n'idéalise pas les années 60 et 70. Je pourrais dire qu'à l'époque, si on disait qu'il y avait les deux tiers, entre la moitié et les deux tiers des personnes qui sont des chercheurs en scientifiques qui comprenaient ce qu'ils faisaient véritablement, j'ai le sentiment, d'après ce que je vois, qu'on est tombé en dessous de la moitié de gens qui comprennent véritablement, je dirais, l'épistémologie, voilà, l'heuristique, les méthodes et les objectifs de la recherche scientifique. Et malheureusement, on le voit dans la querelle autour d'un article dans The Lancet. Beaucoup de gens qui interviennent dans cette discussion, même tout proche du cœur de cette revue, n'ont pas l'air de manier véritablement, je veux dire, en connaissance de cause, les choses dont ils parlent, ce qui est vraiment inquiétant. Donc, entre une explication complotiste et une explication scientifique, je choisis la scientifique sans hésiter, mais à l'intérieur même des explications scientifiques, je me méfie désormais, enfin bon, ça date pas d'hier, mais je me méfie de ce que je vois parce que je vois parfois des horreurs, même dans l'abstract des papiers qu'on présente. Donc il y a une déperdition dans le tri qui est opéré. Je ne parle pas de la hiérarchie entre les revues, mais qu'une revue comme The Lancet, qui a quand même ou Nature, qui a des querelles maintenant de savoir si on aurait dû accepter ou non tel ou tel article, ça c'est inquiétant, ça montre une perte à ce niveau-là. Alors, mais dans l'ensemble, je dirais, bon, par rapport à l'état où on était il y a 2 mois, par rapport au coronavirus, plutôt une évaluation optimiste de la situation dans laquelle on est. Deuxième sujet, les États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, hier, aujourd'hui auront lieu aux États-Unis un très très grand nombre de rassemblements, conséquence de la mort de George Floyd, donc une personne afro-américaine tuée de sang-froid par un policier, par un groupe de policiers en fait, à Minneapolis dans le Minnesota, qui a conduit à des émeutes, à des pillages aux États-Unis et à des manifestations de solidarité partout dans le pays, mais aussi, comme on a pu le voir hier, dans beaucoup d'autres pays, où des questions du même ordre, c'est-à-dire une attitude de la police indigne vis-à-vis des personnes voilà, de la population, de la communauté, rappellent des choses, même si les cas ne sont pas strictement
comparables. En particulier en France, le cas autour duquel les gens ont manifesté ces jours-ci n'est pas strictement parlé semblable, comparable à ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Et aux États-Unis, la bonne surprise, c'est que dans le climat de guerre civile montante qu'on avait pu voir en voyant un président tout à fait hors du commun, un objet populiste mal identifié, comme je l'appelais comme titre du bouquin qui a paru déjà sur lui, de ma plume. On s'attendait à voir apparaître dans les rues, et on l'a vu un tout petit peu pendant le confinement. On a vu des groupes armés de partisans de Trump aller protester devant le Capitole, devant la préfecture l'hôtel de ville des États où le confinement avait lieu. Mais la surprise, en tout cas pour moi, c'est que c'était des groupes minuscules, c'était au maximum des centaines de personnes, pas des milliers. Il n'est pas parvenu à mobiliser véritablement ses troupes. Par contre, quand il y a eu l'accident, la mort, la bavure de Monsieur Floyd, ce sont des foules considérables qui sont apparues et qui vont défiler aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité, les gens qui n'ont pas voté pour Trump, on s'aperçoit qu'il y avait une majorité énorme, énorme contre Trump. Ce qui a joué pour lui, bon, c'est d'une part une interférence d'un autre pays, et la chose maintenant est bien documentée, même si aux États-Unis on est parvenu à plus ou moins à étouffer cela. Mais c'est surtout, et là je le disais à l'époque, fin 2015, 2016, pendant toute l'année 2016, c'était l'absence d'un candidat, ou en l'occurrence d'une candidate sérieuse contre lui. Et ça, je l'ai souligné pendant toute l'année 2016, vous le trouvez, c'est un truc majeur dans le livre, les opinions défavorables. Pour la première fois dans l'élection aux États-Unis, les deux candidats avaient des opinions massivement défavorables envers eux. 59 à 60% d'opinions défavorables pour Trump, 59 à 60% d'opinions défavorables pour Hillary Clinton, c'est-à-dire deux candidats dont les gens ne voulaient pas. Et ces 60%, 60% d'opinions défavorables ont fait finalement que, bon, c'est presque à pile ou face qu'on a tiré le candidat qui est passé, c'est-à-dire un candidat dont une majorité nette ne voulait pas, dans tous les cas. C'est ça qui a surtout été malheureux, mais bien entendu, c'est symptomatique d'une certaine méfiance de la population envers un type de fonctionnement démocratique qui a glissé vers le fonctionnement oligarchique et où l'opinion des gens individuellement ne joue plus beaucoup. Plus aux États-Unis, un système électoral différent d'État à État qui fait qu'une élection finalement présidentielle ne se joue que dans une demi-douzaine d'États en réalité, puisque tous les autres sont soit massivement pro-républicains, soit massivement pro-démocrates. Avec les milieux urbanisés massivement pro-démocrates, les milieux urbains massivement pro-démocrates et les milieux ruraux massivement républicains. Et avec, à l'intérieur du système, un système biaisé en faveur des grandes surfaces, voilà, des milieux ruraux qui sont surreprésentés alors que les milieux urbains sont sous-représentés. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout des jeunes, mais ne manifestent pas par solidarité avec la communauté afro-américaine, manifestent des quantités considérables de blancs, d'Amérindiens, qu'on appelle là-bas latinos ou hispaniques. Voilà, c'est la population tout entière qui manifeste son ras-le-bol vis-à-vis
d'un président dont je vais raconter ça l'autre jour, quand un reporter interroge un intellectuel important sur son opinion, sur ce qui est en train de se passer, et où le reporter est tout à fait décontenancé, que quand il dit, il demande, mais c'est quoi l'explication? Et le type me dit, mais l'explication, c'est que M. Trump est un fasciste. Et le reporter qui est sans doute, qui connaît le terme probablement que de l'avoir lu dans des livres d'histoire, quand on parle de l'Italie, de l'Allemagne à une époque, etc., de différents mouvements, il tombe un peu de sa chaise. Il ne reconnaît pas trop le terme comme pouvant s'appliquer aux États-Unis. Et c'est ça qui est en train d'avoir lieu, un soulèvement contre un fasciste au pouvoir, d'où les menaces de son ministre de la Justice, Monsieur William Barr, la personne qui avait fait capoter en fait les conclusions de du rapport Mueller, de menacer de faire interdire comme groupe en tant que groupe de terroristes domestiques, dit-on là-bas, comment dit-on, de terroristes métropolitains, les antifascistes, ce qui situe bien le personnage quand de William Barr. Il sait où sont les ennemis de Trump, les gens qui se caractérisent eux-mêmes comme antifascistes. Bien sûr, bon, le groupe Antifa aux États-Unis n'est pas très loin pas très éloigné des groupes qui recommandent des actions plus violentes que simplement de la protestation non violente. Enfin, je vais terminer avec la France. J'ai regardé par curiosité hier où se situait François Ruffin dans les sondages de popularité des personnalités politiques. Et le fait est qu'il n'est pas là donc pour les instituts de sondage, il n'est pas là depuis très 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 longtemps. Ce qui fait que quand il apparaît dans les sondages, il n'est pas collé à zéro, il est déjà à un niveau respectable. Mais ce qui apparaît, c'est que c'est une personnalité qui grimpe dans la popularité. Bien entendu, un film comme Merci Patron a joué. Mais aussi, bien entendu, la personne qu'il est et les actions qu'il mène depuis de nombreuses années, même longtemps avant qu'il ne soit élu député en 2017 dans la Somme. Et bon, à des personnes qui me disent oui, mais pourquoi tout à coup vous le soutenez? Non, j'ai toujours eu la même opinion. Et le fait que plusieurs partis sont venus le soutenir, comme la France insoumise et le Parti communiste, le fait que je continue à le soutenir n'est pas une opinion de ma part sur la France insoumise ou sur le Parti communiste, d'autant que ce sont eux qui se sont ralliés à Ruffin, dont je soutenais l'action à ma manière depuis bien plus longtemps que ces partis ne se manifestent pour le soutenir. En particulier, il est un personnage, et je l'ai rappelé l'autre jour en remettant les planches, il est un personnage de la bande dessinée que Grégory Maclès et moi avons faite, La survie de l'espèce, et dont les planches ont été produites à partir de, si j'ai bon souvenir, à partir de 2009. Essentiellement peut-être en 2011, le livre paraît en 2012, mais mon soutien à Ruffin en 2011 n'est pas une opinion émise d'une manière ou d'une autre sur la France insoumise ou sur, je ne sais même pas si ça existait déjà à l'époque, ou sur le Parti communiste. Donc il ne faut pas mélanger les choses et pas me dire à moi vous avez un revirement par rapport à la France insoumise. Non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est vis-à-vis de Ruffin. Que j'ai une opinion. Et ça m'est venu hier soir, je venais de regarder la vidéo qu'il a fait lui-même sur son livre Leur folie et nous, si je peux me souvenir comment ça s'appelle, Leur folie et nous. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose et je l'ai fait là et j'ai pas voulu être polémique, donc j'ai mis
comparaison la sa cote de popularité avec celle de monsieur Macron, mais l'outil est là qui permet à chacun de comparer la popularité actuelle. Il doit y avoir une vingtaine de personnalités, celles sur lesquelles on interroge les gens dans les sondages. Et donc ça me fait plaisir que voilà que sa popularité soit non seulement en hausse, mais qu'elle soit en hausse rapide. Voilà. Bien. Allez, je vais vous laisser là-dessus. À bientôt.